sa défaite aux élections générales de 1979, Pierre Trudeau semble arriver au bout de sa carrière politique. S'il en était resté là, il serait passé à l'histoire comme un homme politique ordinaire ayant plus de promesses que de réalisations à son crédit. Il a implanté le français dans la fonction publique et réduit la pauvreté, mais on est loin de la société juste qu'il a rêvé d'établir. Ses tentatives de réforme constitutionnelle ont échoué et le séparatisme québécois est plus fort que jamais. Les déboires inattendus du gouvernement de Joe Clark et la réélection de Pierre Trudeau en février 1980 lui donnent une chance de se rattraper et de laisser une marque plus durable. Le résultat des élections de 1980 a fait que j'avais en quelque sorte ressuscité de parmi les morts. J'étais revenu à la politique. C'était probablement mon dernier mandat, on ne savait jamais, mais j'étais décidé de finir la tâche pour laquelle j'étais venu. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous dans cette décennie qui commence. Merci beaucoup. J'ai dit à ceux qui m'entouraient, écoutez, j'ai trois priorités, embêtez-moi pas avec trop d'autres affaires, laissez-moi le temps de travailler ces choses-là. C'était d'abord de finir le débat constitutionnel qui avait été amorcé par les provinces dès 1967. C'était deuxièmement de mettre sur pied la politique énergétique qui exprimait ma notion de partage entre les provinces et les régions du Canada. Et troisièmement, c'était d'entreprendre une mission pour parler de paix, pour essayer de réduire les tensions est-ouest, de faire en sorte que plutôt que d'aller de plus en plus vers un danger de guerre nucléaire, et ça devenait de plus en plus effrayant comme possibilité, on se mette à dialoguer entre les deux camps pour chercher des compromis. Le plus grand défi qui s'adresse à Pierre Trudeau au début de son dernier mandat, c'est de parer à la menace du séparatisme québécois. Il est entré en politique fédérale pour faire la preuve que les Québécois peuvent occuper la place qu'ils veulent à Ottawa et exercer un pouvoir correspondant à leur poids dans la Confédération. Il ne lui reste plus que quelques mois pour le démontrer avant le référendum sur la souveraineté association. J'ai fait un effort particulier pour m'assurer que lorsqu'il y avait des compétences nécessaires, je mettrais les Canadiens francophones dans des postes de commande qui ne leur avaient jamais appartenu avant dans toute l'histoire du Canada. Le premier ministre René Lévesque a annoncé que la consultation aurait lieu en mai et les souverainistes sont clairement en avance. Les sondages indiquent que le nombre d'électeurs gagnés à la cause de l'indépendance ne cesse de grandir. Les défenseurs du fédéralisme sous la direction du chef libéral Claude Ryan bafouillent et tournent en rond. Ils sont trop passifs au gré de Pierre Trudeau. Je me souviens particulièrement du débat qui avait eu à l'Assemblée nationale, qui avait eu lieu, le débat du référendum même. Je me souviens que les rapports qu'on en faisait étaient dévastateurs, que le PQ avait gagné cette bataille-là haut la main. Et qu'on semblait donc pas préparé. C'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, ben, il faut leur donner un coup de main. Quant aux conséquences, selon la loi, chacun des camps est chapeauté par un comité. Claude Ryan préside le comité du non à la souveraineté. Je savais que c'était un homme droit, un homme intelligent, un homme qui analysait bien ces choses. J'avais bien quelques craintes parce que je savais que depuis sa période au devoir, il était un tenant très, très aguerri du statut particulier pour le Québec et j'y voyais un certain danger. Alors j'étais pas surpris parce que je connaissais sa pensée, mais déçu que dans un combat que nous allions mener à deux pour défaire le oui au référendum de 80, j'étais déçu qu'il manifestait visiblement des tendances de vouloir un fédéralisme qui était très différent du mien, et c'était certainement pas une bonne tactique que nous nous expliquions à fond sur nos différences pour combattre l'ennemi commun qui était René Lévesque. Dans le débat sur la loi référendaire à l'Assemblée nationale, les libéraux se font hacher menu comme chair à pâté.
Pierre Trudeau rencontre Claude Ryan chez lui à Montréal pour le convaincre d'accepter des renforts du fédéral. Les deux hommes sont cependant à couteau tiré depuis longtemps. Alors qu'il était directeur du Devoir, Ryan n'affichait que du mépris pour Trudeau, qui le lui rendait au centuple. Soudain, à mi-chemin de la campagne, le camp souverainiste se fourre dans le pétrin. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. Lise Payette, une des vedettes du PQ, laisse entendre que les fédéralistes ne peuvent compter que sur le soutien des Québécoises qui ne sont pas libérées. Des milliers de femmes envahissent le Forum de Montréal. Elles jurent de lui faire avaler ses paroles et se rangent en fanfare du côté du non. René Lévesque tente de réparer la bourde, mais il commet à son tour un impair. Il met en doute la loyauté des Québécois non francophones et note que la campagne du référendum fait bien ressortir le côté Elliott de Trudeau. Au grand meeting qui clôture la campagne du référendum au centre Paul Sauvé dans le château fort péquiste de l'est de Montréal, Trudeau tourne l'attaque de Lévesque à son avantage. Bien sûr, mon nom est Pierre Elliott Trudeau. Oui, Elliott, c'était le nom de ma mère, voyez-vous. C'était le nom des Elliott qui sont venus au Canada il y a plus de 200 ans. C'est le nom des Elliott qui sont installés à Saint-Gabriel-de-Brandon. Vous pouvez encore voir leur tombe au cimetière il y a plus de 100 ans. C'est ça, les Elliott. Puis mon nom est québécois, mon nom est canadien aussi. Puis c'est ça, mon nom. J'avais dit à des gens autour de moi, et même on me rappelle que je l'ai dit à des gens du caucus, que si on est battu au référendum, on démissionne. Ça veut dire qu'on a perdu la confiance des Québécois. Faudrait en chercher d'autres qui ont la confiance des Québécois. Et alors, et peut-être élire des durs à Ottawa qui ne voudront pas négocier comme premier ministre. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Raymond Saint-Pierre, je dois vous interrompre parce qu'à 7h55, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non remportera ce référendum. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. À mes compatriotes du Québec blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Oui, bien, j'avais assez la sensibilité du Québec pour savoir que le triomphalisme aurait été une erreur. Quand on est gagnant, je pense qu'il faut toujours être modeste. Que ce soit au jeu, que ce soit en politique, il ne faut pas mettre le nez de l'adversaire dans sa défaite. Encore aujourd'hui, l'ancien ministre Camille Lorrain est persuadé que la présence de Pierre Trudeau dans la mêlée a fait la différence. Je pense que le score aurait été différent. Ça a été 60-40. Je pense que si Clark était resté au pouvoir, on aurait eu probablement davantage de 40.
le fait que Pierre Trudeau a remplacé Clark à la dernière minute, en février, je pense que ça a pu contribuer à une augmentation du vote francophone pour le maintien du fédéralisme. Je ne sais pas ce que vous auriez obtenu avec Clark, je sais qu'avec moi, vous auriez pas obtenu grand-chose. Non, on n'aurait rien obtenu, d'ailleurs, tu l'as dit assez haut et fort au mois de mai 80. Oui. Le gouvernement Trudeau a à peine le temps de reprendre son souffle qu'il doit éteindre un autre feu sur le front ouest. Les Albertains, convaincus de faire les frais du nouveau programme national de l'énergie, sont furieux. L'objectif du programme est triple. Augmenter la part de propriété canadienne de l'industrie du pétrole, amener le Canada à subvenir à ses besoins énergétiques et augmenter la part fédérale des revenus de l'énergie. Pétro-Canada, créé en 1973, est le fer de lance du programme de l'énergie. Les trois objectifs sont controversés, mais c'est surtout le troisième qui met le feu aux poudres, car il entraîne une baisse de revenus en Alberta et en Saskatchewan. Leurs exportations de pétrole sont taxées pour subventionner le prix à la consommation dans les provinces de l'Est. L'Alberta riposte en diminuant sa production et en contestant la légalité de la taxe devant les tribunaux. Pour mettre fin à la crise, Ottawa consent à baisser la taxe pour rapprocher le prix du pétrole canadien du niveau mondial. L'entente règle le différend politique, mais Peter Lougheed, premier ministre de l'Alberta à l'époque, la remet toujours en question. But Peter, you signed that agreement. We toasted it with champagne. We signed the agreement. I shouldn't have toasted you with the champagne. That wasn't a good political move. And I, living here in the province, had to make a decision as premier. And the decision was this: do we die with our basic industry, or do we just bleed? We decided to bleed. And that's what that agreement was about. Le programme de l'énergie se justifie dans la mesure où le prix mondial du pétrole continue de grimper. Avec la chute des prix, il ne tient plus. Des sommes énormes sont investies dans l'exploration de nouvelles sources de pétrole dans l'Arctique, mais leur exploitation ne peut être rentable que si les prix sont élevés. En politique, Pierre Trudeau constate que la réalité n'est pas toujours conforme aux pronostics. C'était une politique qui voulait garantir l'autosuffisance jusqu'à la fin du siècle, et on prévoyait qu'il n'y en aurait pas assez, étant donné l'accroissement de la demande pour l'essence, on n'en aurait pas assez pour nous rendre à la fin du siècle. Il faudrait devenir un pays dépendant des importations, comme c'était déjà le cas pour les États-Unis. Alors, on avait fait des promesses de distribuer des fonds qui n'existaient pas. On avait fait une promesse de réduire le budget, le déficit budgétaire qu'on n'a pas pu tenir, parce que toutes les projections étaient tombées en l'air. Puis c'est ça l'histoire de la politique. On est toujours à l'affût des événements, puis des dernières nouvelles, et c'est difficile de tirer des plans. Texte. René Lévesque rallie ses collègues du Canada anglais à la défense des droits des provinces. Le journaliste Jean-Marc Poliquin raconte la négociation qui s'amorce. Aux côtés du Montréalais se trouvait le petit gars de Shawinigan, l'honorable Jean Chrétien, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui est devenu le maître d'œuvre dans une construction dont M. Trudeau était l'architecte. L'un des premiers alliés de Lévesque est son homologue de Terre-Neuve, Brian Peckford. Entre la vision du Canada présentée par Pierre Trudeau et celle que défend René Lévesque, il dit préférer nettement celle de Lévesque. Certainly, all I can say is that the people of Quebec have shown last May that they didn't agree with the view of Canada held by Mr. Lévesque. René Lévesque décide de miser le tout pour le tout. Il consent à renoncer au droit de veto sur lequel le Québec incite depuis toujours en échange d'une alliance avec 7 autres provinces contre le projet fédéral de rapatriement unilatéral de la Constitution. L'alliance surnommée la Bande des 8 s'oppose à l'inclusion d'une charte des droits dans la nouvelle Constitution. Pierre Trudeau est indigné. Si c'est comme ça, je dis ce que j'ai menacé de faire depuis 78. J'irai tout seul, hein, j'aurai pas besoin de vous, j'irai en Angleterre, puis je leur dis, donnez-nous l'indépendance, nous vous la demandons au nom du Parlement canadien. Et là, je me souviens, Stirling Line, le premier ministre du Manitoba, a dit, mais si vous faites ça, bon,
cher monsieur, vous allez déchirer le pays en deux. Je dis, bah, si ce pays se déchire parce qu'on demande d'avoir notre constitution à nous 120 ans après, 115 ans après la fondation du pays, et deuxièmement parce qu'on demande une charte des droits de la personne qui existe dans la plupart des pays civilisés et qui existe déjà dans cette province, eh bien, le pays mérite de se déchirer. Deux premiers ministres provinciaux appuient la position fédérale, Richard Hatfield du Nouveau-Brunswick et William Davis de l'Ontario. La bande des huit trouve un puissant allié à la Chambre des communes dans la personne de Joe Clark. Le chef de l'opposition a recours à tous les artifices de la procédure pour entraver les travaux du Parlement et bloquer le projet Trudeau. La manœuvre d'obstruction réussit. Le premier ministre Trudeau consent à différer le projet jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur sa légalité. Avec le recul, Pierre Trudeau ne cache pas son admiration pour la fermeté de Joe Clark. Pratiquement seul, il a fait échec à notre désir d'en arriver à l'adoption d'une résolution par la Chambre des communes nous autorisant d'aller à Londres, etc. Alors, forcément, j'admire sa ténacité. Ça prouve que un homme droit et convaincu peut avoir pas mal d'effets pour arrêter un gouvernement qui est trop pressé. Le projet de réforme constitutionnelle est soumis à la Cour suprême du Canada, qui le juge légal, mais inconstitutionnel du point de vue des conventions. Une dernière conférence fédérale provinciale est convoquée. La conférence en novembre 1981 piétine. Pierre Trudeau, pour sortir de l'impasse, propose de rapatrier la Constitution et de tenir un référendum dans un délai de 2 ans, à défaut d'entente sur la formule d'amendement et la charte. René Lévesque accepte. Évidemment, le diable était aux vaches. Je suis sorti de là en disant aux journalistes, eh bien, il y a eu une alliance Québec-Ottawa et tout va très bien aller, vous allez voir. Mais eux, les premiers ministres, les 7 autres, étaient en beau maudit, évidemment, parce qu'ils avaient fait un pacte de jamais briser la bande des 8. Ils étaient d'autant plus forts que la Cour suprême disait qu'il fallait un nombre substantiel de provinces. Et voici que l'évêque leur faisait dans les mains. Les alliés de l'évêque ne lui pardonnent pas de s'écarter de la stratégie arrêtée en commun sans les consulter. L'évêque est revenu l'après-midi un peu penaud en disant « Ben, j'ai vu le texte maintenant, puis c'était une affaire compliquée. C'était pas si compliqué que ça. C'est comme je vous l'ai expliqué, il y aura un rapatriement puis un référendum sur 2 questions. » Je ne dis pas que le texte qui avait été fait un peu à la hâte était extrêmement limpide, mais l'idée était parfaitement claire. Simplement, l'évêque s'est aperçu qu'il avait tombé dans un traquenard et qu'il avait brisé la solidarité des 8. Entre-temps, Jean Chrétien élabore avec ses collègues de la Saskatchewan et de l'Ontario un compromis qui fait place à la formule d'amendement réclamée par la bande des 8 et à la charte des droits que désire Trudeau. Les provinces pourront déroger exceptionnellement à la charte. Pierre Trudeau répugne cependant à affaiblir la charte. Et Jean Chrétien rappelle que le premier ministre s'est d'abord opposé au compromis. J'avais dit à Romano McMurtry, va vendre ça aux provinces. Moi, je vais essayer de le vendre à Trudeau. Je pensais que ma tâche était plus grande avec toi qu'avec eux. Alors, j'ai dit, je vais essayer de vendre ça à Trudeau. Et là, je suis parti. On était chez vous, juste à 9 h. Là, tu étais très réticent, je me rappelle bien. Et évidemment, quand tu étais réticent, je me trouvais seul, ou à peu près. Alors, à un moment donné, tu as reçu un téléphone de je ne sais pas qui, et tu es revenu, tu étais moins réticent. Et là, quand la réunion s'est terminée vers 11 h, à la porte, je me rappelle très bien, tu me dis, si tu peux avoir 7 provinces représentant 50% de la population, peut-être que je vais l'accepter. Le coup de fil vient de William Davis de l'Ontario. Il somme Trudeau d'accepter le compromis, sinon il va lui retirer son appui. Durant la nuit, tandis que la délégation du Québec dort de l'autre côté de l'Outaouais, les provinces anglophones capitulent. René Lévesque en est informé au petit déjeuner. Estimant le Québec victime d'un coup bas, il est livide de rage. C'est l'épisode qu'on a appelé « La nuit des longs couteaux ». La nuit des longs couteaux est une pure invention des politiciens péquistes et des journalistes qui les ont gobés, parce que
C'est pas les anglophones qui ont poignardé le Québec, c'est le Québec qui a détruit la tactique que lui-même leur avait vendue. Quand on a ajourné hier, tout le monde s'est entendu pour être à portée de téléphone, mais normalement pour que la nuit porte conseil. Une réunion a été convoquée des 8 pour ce matin. Je suis allé les rencontrer au Château Laurier, les 7 autres, et c'est à ce moment-là qu'on m'a mis sous le nez le fait qu'on venait de déchirer, qu'on s'était entendu, qu'on s'entendait à 7 pour déchirer l'accord qui avait été signé solennellement par tout le monde. Pierre Trudeau se rappelle avoir fait une tentative pour récupérer le Québec à la toute dernière séance. J'ai offert à M. Lévesque de rouvrir la négociation s'il voulait. Mais c'était clair que c'était des objections qui étaient juste encore des objections pour empêcher l'accord de signer, parce qu'une semaine plus tard, il y a eu à l'Assemblée nationale une résolution proposée par le gouvernement Lévesque qui demandait 3 autres choses différentes. Il ne s'agissait plus de celle-là. À ce moment-là, il s'agissait du veto, il s'agissait de la société distincte, puis encore une affaire sur la charte, mais pas la même. Alors, vous voyez, c'est difficile de penser que ce gouvernement voulait sérieusement négocier, puisque lui-même, à une semaine de distance, les soi-disant demandes traditionnelles du Québec avaient changé à peu près du tout au tout. Beaucoup de gens, commencés par M. Trudeau, ont eu à la bouche le mot « peuple québécois » et la reconnaissance de cette dualité fondamentale qui constitue historiquement le Canada. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire the Canadian way, hélas, traditionnel. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Mais une chose certaine, c'est que, à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre, auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. Les remarques de René Lévesque ce jour-là sont prophétiques. Quelques-uns des premiers ministres qui l'ont abandonné pour pactiser avec Pierre Trudeau regrettent aujourd'hui d'avoir isolé le Québec à la conférence de 1981. Avec le recul, l'ancien premier ministre de l'Alberta, Peter Lougheed, ne cache pas qu'il a des doutes. And then Quebec takes a walk, and we've got a country where the legitimacy, and I use that word, of the Constitution is questioned by that. But Quebec wouldn't have taken a walk if you hadn't broken up the Gang of Eight. And my feeling in going into that conference is that we would get you all or we wouldn't get any of you. I never dreamt that you people would break your Gang of Eight. And perhaps even in my heart, I was hoping that you wouldn't. But I reverse your own question to me. Weren't you people conscious of the fact that if you broke the Gang of Eight, then Lévesque would be left alone? You were the initiator, and we were responding to stop you moving unilaterally. Uh-huh. You knew that our Gang of Eight we had a mandate, and that mandate was strictly and entirely only to stopping you moving unilaterally. Effectivement, nous n'agissons plus d'une manière unilatérale, puisque nous avons 9 provinces en accord avec la procédure que nous avons adoptée. Le 2 décembre, les 3 partis représentés aux communes approuvaient massivement la réforme constitutionnelle. Yeas pour 246, 246. Nays contre 24, 24. Je déclare la motion adoptée. Quelques heures plus tard, l'adresse du Sénat était remise au gouverneur général par son président Jean Marchand et l'adresse des communes par le président Jean Sauvé. Il ne restait plus qu'à soumettre à son Excellence Ed Shire le procès-verbal d'une réunion pertinente du Conseil des ministres. Excellence, j'ai l'honneur de vous présenter cette copie certifiée. Mmh.
Le jour de la cérémonie de proclamation de la loi constitutionnelle de 1982, le premier ministre du Canada indique clairement qu'il considère la Charte des droits de la personne comme l'élément dominant de la nouvelle loi. Pierre Trudeau pense encore aujourd'hui qu'une charte imparfaite qui a force de loi vaut mieux qu'une charte parfaite qui reste sur papier. Il dit que le public en a fait la preuve en s'y référant abondamment pour assurer la protection de ses droits. Le Canada célèbre aujourd'hui son accession à la pleine souveraineté. La Constitution canadienne est enfin revenue au pays et nous pourrons désormais la modifier nous-mêmes sans recourir au Parlement du Royaume-Uni. 12 ans plus tard, cependant, le Québec n'adhère toujours pas à la Constitution. En résumé, ce que des gens comme moi ont senti à l'époque, c'est que le rapatriement était légal, mais qu'il n'était pas légitime, en ce sens qu'on n'aurait pas dû rapatrier contre la volonté expresse du gouvernement québécois. Oui, c'est le sentiment oui, que il faut quand même nous avons eu à l'époque. Deux choses. Le rapatriement avait été essayé depuis 1927 et ça avait toujours raté. Il fallait à un moment donné qu'un pays devienne adulte et dise on a le droit d'avoir notre constitution à nous. Ah, c'est devenu un événement historique. L'histoire qui se poursuit est en train de digérer. Je ne sais pas dans quel sens elle le digère là. Elle s'étend au-delà de l'horizon à travers 5 fuseaux horaires. D'un océan à l'autre, le symbole d'amitié entre deux nations, la plus longue frontière non surveillée au monde. Et il existe une compagnie qui vous offre des deux côtés de cette frontière une assistance routière 24 heures sur 24. Si vous êtes en panne pour une raison ou pour une autre, nous serons là pour vous aider à repartir, même en plein centre de Montréal, Missouri. La compagnie General Motors. Lorsqu'on est propriétaire d'une PME comme Jacqueline, c'est essentiel de bien gérer ses liquidités. Le service InfoTouche de la Banque Royale a été conçu pour des gens comme elle. Par téléphone, elle peut obtenir instantanément des renseignements sur ses comptes bancaires et faire des virements. À la Banque Royale, nous consacrons beaucoup d'efforts pour apporter de nouvelles solutions aux besoins des entreprises. Parce que ce qui est important pour Jacqueline, l'est aussi pour nous. La Banque Royale. Avec vous. Ce n'est pas la marque d'une batterie qui compte, qu'il s'agisse d'une grande marque ou non. Ce qui compte, c'est la puissance de démarrage. Laquelle est une marque connue? Laquelle est une Motomaster de Canadian Tire? En fait, ces deux batteries sont pareilles, produites au pays par le même fabricant. Même puissance, même fiabilité, et toutes deux ont une garantie nationale. Mais la batterie Motomaster de Canadian Tire coûte beaucoup moins. Votre voiture n'y verra aucune différence, mais vous, toute une Motomaster. Produit automobile de qualité, pour beaucoup moins. Son petit chapeau, je pouvais pas le souffrir. Quand l'automne arrivait, il le ressortait toujours. Un petit chapeau, vous savez, avec une... Des fois, je le cachais. Quand Émile nous a quittés, bien, quand il est mort, j'ai vu une psychologue une dizaine de fois. J'étais pas malade, là, mais chez Alfred Dallaire, c'est un service gratuit. Ça m'a aidée à continuer. Regarde, grand-maman! Oh! L'aide aux personnes en deuil, un service réconfortant d'Alfred Dallaire. Chaque année, des anciens chefs d'État et de gouvernement se réunissent sous les auspices des Nations Unies pour discuter de questions internationales. Ici, au Mexique, ils sont acclamés comme s'ils étaient toujours au pouvoir. Pierre Trudeau joue un rôle clé dans ces rencontres. À l'époque où il était chef du gouvernement canadien, il était traité avec déférence par ses collègues étrangers qui avaient souvent moins d'ancienneté que lui au pouvoir. Il a mis son prestige et son expérience à profit pour tenter d'installer la raison dans les affaires du monde. Mais Pierre Trudeau n'a pas toujours eu la tâche facile. Chercher à sensibiliser des hommes comme le président Ronald Reagan à l'immense problème du sous-développement dans le tiers-monde, par exemple, s'est révélé un défi bien au-delà de ses forces. Reagan disait parfois des choses énormes. Je me souviens qu'à un de nos sommets, il disait, « Ben, ça, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route.
Si ces pays-là ouvraient les portes au capitalisme, le capital viendrait, j'ai dit, monsieur le président, il viendrait, vous pensez bâtir des écoles puis des hôpitaux? Le pays est désertique, les gens meurent de faim là-bas, alors c'est pas par là qu'il faut commencer. Ils ne reconnaissaient pas du tout le rôle de l'État, même dans un pays comme celui-là, pour la nécessité d'intervenir, soit par avec l'aide de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, ou par l'aide au tiers-monde des différents pays développés. L'agence de tamisage des investissements étrangers, créée en 1974, a été prise à partie par les Amis du Canada, même par le social-démocrate allemand Helmut Schmidt, qui pratiquait pourtant le nationalisme économique dans son pays. Je me souviens d'un incident où Schmidt m'avait dit « Comment ça se fait que vous avez refusé l'investissement de telle compagnie qui allait vous apporter un investissement énorme, mais c'est une compagnie responsable, je la connais, ils ont très bien fait en Allemagne, etc. » Ben, je lui expliquais, vous savez, il y a la question de la domination économique, on veut qu'ils viennent, mais qu'ils nous apportent des bénéfices, et entre parenthèses, vous, Helmut, vous avez refusé aux Arabes d'investir dans Mercedes-Benz, pourquoi? Oh, il dit ça, c'est un cas d'exception, mais on a dit à la Deutsche Bank de ne pas leur faire des avances monétaires, parce que c'est une compagnie de prestige, beaucoup d'emplois dépendent de ça, et on est... Bah, j'ai dit, bon, nous, on était plus arriérés que vous du point de vue investissement étranger, on a pris des mesures un peu plus légères. J'avais eu ma vengeance au sommet économique de Versailles en 82. Les Américains veulent alors interdire aux pays d'Europe d'utiliser du matériel breveté aux États-Unis pour importer du gaz naturel de l'Union soviétique par le pipeline transsibérien qui est en voie de construction. Évidemment, les Européens et le Japonais qui étaient autour de la table à Versailles ont rouspété. Comment vous allez nous dicter nos rapports économiques avec un autre pays? Comment osez-vous faire ça? Vous-même, vous envoyez votre blé en Russie, en Union soviétique, à prix de rabais, et vous nous dites que nous, on ne peut pas. Alors, je me souviens qu'après cette séance, j'avais été voir quelques-uns de ceux qui avaient rouspété contre l'agence de tamisage du Canada, en disant, vous voyez ce que c'est qu'une puissance économique. Vous avez protesté quand le Canada avait le tamisage, mais vous comprenez maintenant pourquoi. Vous ne voulez pas que les États-Unis dominent votre économie. Au début des années 80, la détente Est-Ouest s'étiole et les deux camps replongent dans la guerre froide. Pierre Trudeau s'inquiète du stockage d'armes nucléaires et décide de faire le tour des capitales pour promouvoir le désarmement. Pierre Trudeau s'intéresse depuis longtemps à la cause de la paix. Dans les années 60, avec, entre autres, Thérèse Casgrain et Gérard Pelletier, il a milité pour la paix. Certaines paroles des chefs d'État, y compris Reagan et Andropov, étaient à l'effet qu'une guerre nucléaire ne pouvait pas être gagnée, donc il ne fallait pas en avoir une. Mais en même temps, on se criait des bêtises, on n'avait pas d'échange. L'Union soviétique, à un moment donné, avait quitté la table des négociations. Il y avait eu l'incident de l'avion coréen qui avait été descendu, il y a eu l'invasion de la Grenade par le président Reagan. La guerre froide se réchauffait à un point dangereux. Alors je me suis dit, il faut entrer dans la mêlée, et peut-être que j'aurais pas tellement d'influence, mais j'étais convaincu que les populations des pays amis, elles, voulaient la paix. Il y avait beaucoup de manifestations pour la paix dans les rues, c'est les gouvernements qui étaient pris dans leur propre logique des deux voies, discuter de paix, mais préparer la guerre. Sa mission de paix, ou ce que Pierre-Éliott Trudeau appelle « la troisième voie », est d'abord décriée par le premier ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Et on avait croisé le fer assez sur justement la question de paix. Elle disait « vous encouragez les soviétiques avec vos paroles ». Alors, je l'avais vue, mais en revenant d'Europe, elle m'a fait savoir que pourquoi je ne m'arrêtais pas à Londres, elle n'était pas sur mon itinéraire. Elle me dit, mais écoutez, est-ce que vous pensez que je ne vais pas entendre parler de paix, moi aussi?
Pierre Trudeau estime qu'il ne sert à rien de heurter Reagan de front sur la question de la paix. Il cherche à bâtir une relation de confiance avec le chef de la Maison-Blanche. Et l'accueil qu'on lui fait à Ottawa gêne un peu le premier ministre. When I go to the United States, I'm not met with these kind of signs. You know, the Americans have some beefs against us, too. But we receive them politely. Now, how about a great cheer for President Reagan? Hey, come on. À un autre moment de la discussion, le président Reagan, à qui je disais, il me semble que là, vous êtes en train d'augmenter le nombre d'ogives nucléaires au-delà de ce qui est nécessaire pour détruire plusieurs fois l'ennemi. Et il me semble qu'on devrait changer un peu au sein de l'OTAN notre stratégie de fond. Et c'est là qu'il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, Pierre? Et je pense que j'avais grommelé un mot d'impatience, mais j'avais plutôt haussé les épaules parce que ça faisait depuis plusieurs mois que je l'avais vu en décembre pour lui expliquer en détail ce que je pensais qu'on devrait faire. Il n'en avait rien fait du tout. Alors, au moment où l'élève vous demande de leur faire la classe, la leçon encore une fois, tu dis, bon, ben, il n'a pas compris, il ne comprendra jamais. Au Canada, le débat sur les missiles cruise compromet la mission de paix de Pierre Trudeau. En 1984, l'OTAN se prépare à ajouter les missiles de croisière à son arsenal d'armes nucléaires et on demande au Canada d'en faire l'essai au-dessus des plaines désertes de l'Alberta. Quoiqu'il ne soit pas entiché de l'idée, Pierre Trudeau trouve des arguments pour justifier le projet. J'ai invoqué un argument de nature plutôt stratégique. Je disais que la missile de croisière, par définition, n'était pas une arme par laquelle on commencerait des opérations militaires. C'était pas une arme de premier recours, mais de deuxième recours. Parce que par sa nature même, la missile de croisière qu'on voulait mettre sur point prendrait 2 ou 3 heures à atteindre le territoire de l'Union soviétique. Alors, si on veut commencer une guerre, on envoie tout de suite les missiles IBM qui se rendent en 30 minutes et on commence la guerre, une guerre surprise. Mais voyez-vous commencer une guerre surprise en envoyant un missile qui va prendre 3 heures pour se rendre. Le mouvement antinucléaire multiplie les manifestations pour l'en dissuader, mais le gouvernement Trudeau finit quand même par autoriser les essais. Sur le coup, la mission de paix de Pierre Trudeau semble avortée, mais les principes qu'elle met de l'avant forment l'essentiel des accords signés quelques années plus tard par le président Reagan et Mikhail Gorbatchev. La mission de paix de 1984 est la dernière campagne du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. De retour au Canada, il se prépare à passer les rênes du pouvoir et à mettre un terme à sa carrière politique, suivant son style habituel. Les tempêtes de neige ont, sur la carrière de Pierre Trudeau, le même effet que la lune sur la marée. C'est à la faveur d'une marche solitaire dans la neige qu'il a décidé de solliciter le poste de premier ministre du Canada en février 1968. Seize ans plus tard, le 29 février 1984, il décide, dans les mêmes conditions, de faire ses adieux à la politique. Je me disais, bon, le Parti québécois est en pleine débandade, la Constitution est rapatriée, j'ai enchâssé les droits des francophones, j'ai fait ma mission de paix et on parle un peu moins de guerre qu'on ne parle d'accord possible. Il y a mes enfants qui atteignent les 12 ans, alors c'est peut-être le temps de partir. Sauf un hiatus.
hiatus de quelques mois, Pierre Trudeau aura dirigé les destinées du Canada pendant 16 ans. L'histoire mettra du temps à dresser le bilan définitif de son régime. Pour l'instant, les opinions sont partagées. D'une part, on lui reconnaît le mérite d'avoir légitimé le français au Canada. D'autre part, on lui reproche d'avoir endetté les générations futures par des déficits sans précédent. Sous son régime, en tout cas, le français a fait de grands progrès au Canada. Pierre Trudeau trouve partout au pays des traces de son héritage politique. Ici, dans l'école d'immersion française de White Rock, en Colombie-Britannique, de jeunes anglo-canadiens apprennent à parler le français parce que Pierre Trudeau a convaincu leurs aînés que le bilinguisme leur ouvrira des portes dans le Canada de demain. Pierre-Marc Johnson était ministre de la Justice dans le cabinet Lévesque sous le régime de Pierre Trudeau. Il s'inquiète du prix qu'il a fallu payer pour cette politique de bilinguisme. Est-ce qu'il n'y avait pas un prix énorme à payer pour adopter la loi des langues officielles et, dans le fond, forcer le Canada anglais à accepter, dans un contexte un peu artificiel, la présence du français là où, à la limite, l'Ukrainien est plus important? Il y a sûrement eu un prix à payer, mais quelle était l'alternative? Du plus loin qu'on se souvienne, les Canadiens français, comme groupe, se sont plaints d'injustice, ou sur le plan de la langue, sur le plan de l'éducation. Oui, on parle toujours des écoles du Manitoba, on parle de l'Ontario et la loi scolaire, du Nouveau-Brunswick. Et c'était ça qui approchait entre un Québec qui devenait moderne avec la Révolution tranquille et l'attitude, disons, passive, mais réelle, de l'opinion anglaise qui disait que c'est un pays anglais avec un petit coin de français. Quand on regarde ce que ça coûte maintenir un État central sur un pareil territoire avec si peu de population, quand on regarde ce que ça coûte en termes de dette pour les citoyens, on peut peut-être se demander si vraiment c'est un pays qui est gérable et s'il est vraiment décentralisé. Je pense pas qu'il soit si décentralisé, peut-être théoriquement en droit, mais en pratique, les impôts que je paye et la dette qui est le fardeau pour mes enfants à venir est en bonne partie due au fait qu'on a en pratique centraliser ce pays puissamment sur un plan administratif, parce qu'on a voulu normer de Halifax à Vancouver comme si la situation des gens, au-delà des droits et libertés, dans les programmes d'investissement, dans les programmes de formation de main-d'œuvre, dans les programmes relatifs aux investissements culturels, on a voulu tout normer et se doter d'un appareil extrêmement lourd pour le faire. On vit dans une économie de marché, à peu près, où la dette est l'affaire de tout le monde. Vous parlez des gouvernements. Chacun qui a une carte de crédit se sert de la dette. Les banques vivent de la dette des gens. Les grandes corporations, que ce soit la Bell Telephone ou que ce soit la CIP ou n'importe quoi, ils empruntent sur le marché des obligations pour pouvoir construire des usines, pour pouvoir développer leurs affaires. Pourquoi est-ce que les gouvernements n'auraient pas le droit d'avoir une dette? L'important, c'est de savoir si la dette sert à des choses utiles ou non. Et moi, je dis que lorsque la dette est là pour créer des emplois, pour sortir les gens de la misère, pour leur donner un service de santé, pour leur donner une éducation de base nécessaire, je dis que c'est une dette créative. Elle sera payée par nos enfants qui auront été instruits et qui auront été guéris et qui auront profité des avantages. Mais je ne vous dis pas qu'on peut accumuler une dette indéfiniment. Je vous dis que tant qu'on est capable de la payer, cette dette-là, surtout dans le cas de mon gouvernement, c'était une dette due à qui? C'était une dette due à des Canadiens. La question que je vais vous poser va vous apparaître un peu impertinente. Mais est-ce que vous n'avez pas toujours fondamentalement méprisé les politiciens provinciaux? Non,
parce que je sais que tous les politiciens se ressemblent, s'ils croient à leur affaire, et croient qu'ils sont capables d'administrer mieux que le voisin, à l'intérieur du même cabinet, sûrement quand vous étiez ministre, vous pensiez que vous étiez probablement meilleur que d'autres ministres. C'est la même chose que entre les provinces. Il y a toujours des provinces qui croient qu'elles ont un gouvernement plus efficace que les autres. Et surtout, les politiciens provinciaux disent, ben nous, on administre bien, le fédéral, il fait des dettes, alors on devrait avoir plus de pouvoir pour pouvoir mieux administrer. Est-ce que vous voyez ce système comme étant un engrenage purement rationnel, ou est-ce que vous le voyez aussi comme un système qui peut représenter des rapports de force et des rapports de société qui font que des régions distinctes, ou une région distincte en particulier, peut occuper une place qui n'est pas tout à fait celle des autres? Il y a peut-être... Pourquoi est-ce que ça a toujours été inconcevable pour vous? C'est pas inconcevable. Je pense que la différence entre vous et moi, M. Johnson, c'est que vous voyez que la souveraineté d'un pays comme le Canada repose dans les provinces. C'est une option très valable. C'est celle qui est défendue par la plupart des premiers ministres provinciaux, la théorie du pacte. Moi, j'ai toujours pensé que si un pays devait être fort, sa souveraineté devrait reposer sur la population tout entière, sur les Canadiens. C'est pour ça que j'ai voulu une charte des droits, pour dire qu'avant l'État provincial, avant l'État fédéral, il y a le citoyen. C'est pour lui qu'on gouverne. Et c'est lui qui a les droits fondamentaux, c'est lui qui a la souveraineté. Vous croyez que le peuple n'était pas souverain au Canada avant la Charte Trudeau? Non, je crois pas. Que pendant 125 ans, ce pays a vécu sans que le peuple soit souverain? Mais pas du tout. Quand le Canada a cessé d'être une colonie, c'est le peuple canadien qui est devenu souverain. C'est ça que je crois. Le citoyen souverain a été victime des querelles. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit quand j'ai rapatrié la Constitution. Maintenant qu'on a notre Constitution et qu'il y a une charte, vous pouvez vous attendre à des querelles à n'en plus finir entre les politiciens qui veulent plus de pouvoir les uns pour les autres. Ils vont se battre entre vous, mais au moins, votre souveraineté aura été reconnue. Puis tâchez d'élire des gens qui vont chercher la réconciliation plutôt que de dire « Je veux tout le paquet pour mes gens parce que je représente ma province. » Avant de passer la main à John Turner le 30 juin 1984, le Congrès libéral fait au 15e premier ministre du Canada une spectaculaire soirée d'adieu. Pierre Trudeau voit à l'écran le film de sa vie. J'ai revécu une certaine jeunesse, la mienne, et j'ai revécu aussi la jeunesse de tout un pays. Je me suis surpris à mâchonner ces beaux vers de ma bohème. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Et il rappelle que la grandeur du Canada tient à la solidarité de son peuple. Que d'amour splendide nous avons tous rêvé pour notre pays. À nous maintenant la tâche et le très grand honneur de faire en sorte que ces rêves deviennent réalité pour tous nos citoyens.
Et désormais, aussi longtemps qu'il restera de nouveaux espaces à explorer, de nouveaux sentiers à découvrir en forêt, de nouvelles étoiles à observer dans le ciel des paysages lointains, de nouvelles expériences à partager et des livres à lire, avec l'aide de Dieu, je continuerai d'être un homme heureux. Ce soir au point à 22h25, après la diffusion des mémoires de Pierre-Éliott Trudeau, quel est le souvenir des autres? Nous en débattons avec des personnalités qui l'ont côtoyé ou qui l'ont affronté. Découvrez la congrégation juive séfarade chez Arit Israël au rythme de leur liturgie, célébrant avec eux samedi 11h. Après la pause, les informations nationales et internationales au téléjournal.